Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui. On est avec William. Bonjour, salut William. Bonsoir tout le monde. Franchement, je me suis retenu de l'ouvrir. Je voulais le faire en vidéo avec vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Nintendo Labo. Je l'ai déjà ouvert, j'ai juste regardé un petit peu de quoi avaient l'air les plaques en carton et tout, donc c'est cool. On va faire un petit unboxing rapidement. Et aujourd'hui, on a décidé, moi il y a quelque chose qui me hype bien à construire, c'est le piano, William. Ah ! Il est juste ici, voilà. On va montrer la boîte à nos viewers. Petit piano, en tout cas ça a l'air d'être long. Je pense qu'on va vous faire un petit timelapse sur la construction, parce qu'apparemment il y en a entre 1h30 et 2h30 à construire le piano, William. Ça a l'air d'être assez long. On a le jeu, le Nintendo Labo, qui est juste ici, voilà. On a quelques trucs qui sont juste ici, genre des élastiques, des rondelles en caoutchouc, de la ficelle. Et là, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est ça. Attends, c'est quoi? C'est que le piano, ça? Non, ça c'est pas que le piano. En fait, là-dedans, si tu veux, oh, ça va être un truc de fou, William. Ah bah ouais, mais carrément. Donc ça va être pour la voiture téléguidée, ça on verra ça plus tard. Ça va être pour la canne à pêche, les bleus. Les marrons, ça va être la construction de la maison. La moto, il y a tout ça pour la moto, hein. C'est limite une vraie moto, quoi, en carton. C'est limite une vraie bécane en carton. Alors moi, faut savoir qu'à la base, je pars un petit peu sceptique par rapport à ça, au niveau de la solidité surtout. Par contre, au niveau de la jouabilité et tout, je trouve que vraiment, c'est une vraie nouvelle façon de jouer, quoi. C'est une petite révolution. Bah moi, j'ai vu quelques vidéos, ouais, franchement, ça a l'air sympa. Ouais. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce pack-là, William. C'est le piano, voilà. Donc là, on va mettre tout ça de côté pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous êtes chaud pour qu'on construise tout dans de prochaines vidéos, bah n'hésitez pas les gens, on compte sur vous pour faire péter un maximum de likes sous la vidéo, hein. Bien sûr, ça soutient et tout, ça fait toujours plaisir. Il y a une sorte de petite caméra infrarouge sur un Joy-Con. J'ai vu ça et en fait elle est juste en dessous, tu vois. Ok, c'est parti. Construire. D'abord un peu d'entraînement. Ah, fabriquons l'étui Joy-Con. Détachez cette pièce de la planche. Attends, c'est quoi? Ah si, c'est sur la fiche A, cochon. C'est sur la fiche A. Ouais, hein. Sur la fiche A. C'est celle-là. Franchement, ça se détache plutôt bien. Ok. Allez, voilà. Vas-y, Nathan, speedrun. Nickel, vas-y, speedrun. Speedrun, William. T'as déjà calculé, t'as déjà vu. J'ai même pas besoin de te montrer, là. Tac, tac. Voilà, okay. GG. Regarde, j'ai même fini avant le tuto. Regarde, avant le tuto. Avant le tuto, on a fini avant le tuto. Alors voilà. J'ai un beau truc à Joy-Con, là. Abonnez-vous, regardez, là. Avant le tuto. On l'a fini avant le tuto. Allez, vas-y, baf. Pas mal, l'animation. Ouais. Fabriquons le piano Joy-Con. Vas-y, William. William, c'est parti. Mais non, mais là, la tête du truc, quoi, en franchement, c'est super détaillé. Allez, salut les gens, on est là encore demain. Grave. Vas-y, c'est parti, suite. N'hésitez pas si vous voulez qu'on commence une série sur la construction du piano. Un let's play sur la construction du piano. Non, on va le construire dans cette vidéo. Ouais, ça, allez, vas-y, c'est parti, speedrun, let's go. Go. 17h14, on commence. Moi, je te dis, William, on est encore un sort. Non. Seigneur! Putain, mon vieux, bah ouais, bah attends, William. Tu vois? Vas-y, hein, vas-y, tiens! Vas-y! Yeah! Et c'est un bon point pour la France! Et c'est un bon point pour la France, première pièce! Oula, j'ai été trop vite là, attends. Okay. Oui! Oui, en même temps que le tuto! Ok! Regardez, timelapse en timelapse! Ouais! C'est bon, il est pas cassé. C'est bon, deuxième pièce, il va bien. La suite, mon cher. La suite, vas-y, la suite, William, la suite, avance. Attention, c'est parti. Oula, il a payé, il a payé. Hey, les deux en même temps, les deux en même temps. Un dans chaque match. Attention, les payants. Vas-y, William, vas-y, c'est à toi, William. Ouais. Ouais. Voilà. Yes, nickel. Ça commence à prendre de la gueule. Hein. Ouais. Du milieu, les deux ronds. Piche-toi, William. Oh. Oui, c'est ça. Oui, bien. Yes. On retourne. Ok. Ah. Étape suivante. Bon bah écoute, ça commence à prendre de la gueule, hein, les gens. H, vas-y, William. H. Vite, mon cher. T'as pas plié le rabat, regarde. Bien. Comment tu fais. Ouh, attention, il nous demande de sortir les marqueurs adhésifs. Du lourd. On aura besoin d'un élastique, je pense, ouais, William. Je viens de capter. Faites passer l'élastique et derrière ces deux languettes, la face imprimée doit être orientée vers le bas. Yes. Joli. Fini, joli. Fabriquons les touches. Il y a 13 touches à monter, cela risque donc de prendre un petit moment. Vous sentez l'attaque? Bon bah c'est parti pour les touches. Bamba. Oh, rien. Merde, putain, je les colle à l'envers, moi je suis pas enfin, de travers. Planche C, c'est celle-là. Ouais. Si vous le voulez bien. Putain, ouais, bah vas-y, hein, fais la prochaine. Bah oui.
Eh bien, ça fait une heure tout rond, William. Une heure et deux minutes. Une heure et deux minutes. Je pense qu'on une heure est... et deux minutes. Je pense qu'on est sur un record là quand même. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Franchement, on est pas mal. Ouais. Speedrun pour monter le piano. Attention au cochon. Clac, 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 clac. Languette, je la décolle, William. Tu je sais que t'auras fini. Oh oui. Tu te trompes pas. Je la décolle déjà. Tu peux déjà la décoller. Allez, je vais déjà mettre la switch dans le truc là, William. J'allume le truc. Allume le piano. Je pense que la switch elle va aller là. Ah bah non, la switch elle va aller là. Voilà, et on a toutes les touches de notre clavier, William, déjà. Ben voilà, abonnez-vous. Allez, abonnez-vous. Donc là, on va fabriquer le truc pour porter l'écran de la switch. Munissez-vous des coussinets adhésifs qui se trouvent dans le sachet, ils seront utilisés pour stabiliser la console. J'aimerais bien faire la canne à pêche derrière. À mon avis, une fois que t'as fait le piano, vieux, t'es prêt pour tout. Ah ouais, non, non. T'as fait le piano, t'es prêt. Non, attends, la canne à pêche, elle a l'air. Non, bah non. Elle a l'air pas solide. Elle a l'air pas solide déjà. Quelques témoignages. Attends, il y a encore tout ça à mettre comme languette, mon vieux, c'est pour le piano ça. Je sais pas moi. Il y en a pas une pour la canne à pêche. Il y en a pas une pour la canne à pêche quand même, je pense. Il va pas tout bouffer ce piano. Allez, porte-écran fini. La suite. Pliez les languettes latérales et insérez-les dans les fentes en poussant bien jusqu'au bout. Bravo, vous avez fabriqué un piano, mais ce n'est pas tout à fait fini. Il vous reste encore à faire les molettes secrètes. Et là, hop, tac, ça va aller comme ça. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Allez, William, c'est pas fini, William, hein. Vas-y, allez, H, c'est pour toi. Ça marche. Ouais, tourne, mais bon... Ah, ça y est. Ça y est. Fallait forcer un peu. Fallait forcer un peu. En forçant, ça passe deux jours, bien venu. Ah oh merde. Ah, il est où? Il est là. Hein? Il s'est fait un tour de magie tout seul. Eh, hey, tu connais ce tour de magie? Souffle. Eh oui, nous sommes à... Une heure et demie. Une heure et demie. Finalement. Une heure et demie qu'on est sur le piano, mon vieux. Une heure et demie. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Il l'avait dit. Hein. Voilà, tournez les boutons. C'est ça. Hein. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, le bouton tourne. Ok, alors. Ça fatigue, hein. Va te coucher, c'était fatigué. Va te coucher, c'est fatigué. Disons qu'il y a un peu moins d'entrain qu'au début. Il est temps qu'on joue sur ce putain de piano. Et l'intérêt de bien marcher, moi, je peux te dire. Oh, faut dire quand même que ça fait... ouais, ça fait bah, une heure et demie. Une heure et demie. Non, bah une heure et demie, ça va, c'est quoi dans une vie? N'oublions pas. Ouais, bon, une heure et demie pour construire un piano. En carton. En carton, en plus. Voilà, après, on va essayer tout ça. Il est rassure. Ouais, bah, on va essayer tout ça. Ah, bon, on va arriver à 2 heures. Hein. C'est ça. On va arriver à 2 heures. Putain. Ouais, et bien. Franchement, on n'a pas traîné. Bah, mort. On n'a pas traîné. Il y a des fois, on a même été plus vite que le tuto. Mais grave. Voilà, on avait tout compris. T'as dit, hein, c'est ce qu'ils préconisent entre 1h30 et 2h30 pour le construire. C'est quoi le problème là? Oh là, il n'y a plus de borne. C'est bon. Yes. Eh ben, écoutez, j'ai l'honneur de vous dire qu'on a fini le piano. On avait combien de temps, William? 2 heures. Ouais, même pas, 1h45. On a commencé à 17h14, il est 18h53. Ouais. On a mis 1h45, voilà. Bien sûr, ça aura duré peut-être 5-10 minutes hein, de ce côté-là, mais on vous a passé les galères. Tournez le piano pour qu'il vous monte son dos. Insérez le Joy-Con droit, c'est celui-là. Je pense qu'à mon avis, il s'instaure dedans. Il se... non? Avec le bouton plus. T'es sûr qu'il rentre pas avec le machin directement? Non. Moi, je pense que c'est... hop. Oh bah t'as raison. C'est ça. Le piano Toy-Con est prêt. Ah ben enfin. Jouez donc. Jouez maintenant, vas-y. Oh, la petite animation. Pas mal. Vous la voyez dans la caméra juste ici. Franchement, c'est bien cool pour l'instant. Alors, jouez. Ouh. C'est parti. Attends, je vais monter le son. Ah bah, je suis à fond. Mets un bouton dedans pour tourner là. Ah ouais, attends, vas-y. Attends, ouais. Oh. Vas-y. Ouais, grave. Ouais, c'est pas mal. Et si on tourne, attends.
C'est pour faire de l'écho en fait. Dans l'autre côté. Là ça réduit l'écho. Vas-y, on va essayer un autre. Les deux, ouais. On essaye le 2. Le 2 c'est quoi? Non, c'est pas mal, c'est marrant en vrai. Ouais, c'est marrant, ça sert à rien, mais c'est marrant. C'est une démo en fait. Vas-y, on essaye le 0, ouais. Ah, c'est les vibrations de la mallette en fait. T'as vu? Putain, c'est pas mal, hein. Putain. Comment péter son Joy-Con? Comment péter son Joy-Con? Ah ouais, ouais, je vois. Na 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 na. Mais non, mais il l'entend pas, il l'entend pas. Na 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 na. Comment c'est pourri, horrible. Eh ben voilà, j'ai joué du David Guetta sur un piano en carton, mon gars. Ouais. Alors on a le titre. Abonnez-vous. Voilà, David Guetta sur un piano en carton, mon vieux. Ouais, c'est pas mal. Les David Guetta du Nintendo Labo, mon vieux. Ouais, bah écoute, c'est bien. C'est bien, hein. C'est bien. Bizarre. C'est stylé, ça nous a pris 1h45 pour construire ça. Et je pense que si t'es chaud pour les prochaines fois, William, d'ailleurs, ah bah on va le faire maintenant. Non, on va le faire maintenant. Ah, non, pas maintenant là. Non, non. Pour les prochaines fois, les gens, on a plein d'autres trucs à construire. On a la canne à pêche, on a des voitures, on a je ne sais quoi d'autre. On a encore pas mal de trucs. Donc si vous êtes chaud, bah, vous mettez un petit pouce bleu et on se fera un plaisir de vous les proposer. On vous dit à la prochaine et ciao tout le monde, bye bye. Bye bye.